parti pour l'aventure pendant deux jours. On est ici au nord des États-Unis, dans l'état du Minnesota, quasiment à la frontière du Canada, les Boundary Waters. Ce nom fait rêver, en fait, en tout cas, il fait rêver beaucoup d'Américains parce qu'il n'y a aucun équivalent dans le reste du pays. Les Boundary Waters, c'est vraiment une réserve naturelle, un parc totalement protégé, au sein duquel on ne peut venir en fait qu'à canoë et sans aucun autre moyen de transport. Mieux, quand on est sur certains des lacs, il y a un maximum de personnes autorisées, en l'occurrence 9. Donc autant vous dire que l'on peut pagayer et faire du canoë pendant l'ensemble d'une journée, faire de la tente et du camping d'île en île régulièrement sans croiser âmes qui vivent. Ça, c'est juste tout simplement extraordinaire. L'autre point absolument spectaculaire, c'est les paysages et l'absence totale de bruit. Il n'y a aucun avion qui survole, on n'entend aucune highway ni interstate au loin. Ici, vous êtes vraiment en pleine nature, plongé dans Survivor, comme on pourrait dire, avec tous les avantages que cela comporte. Petite particularité des Boundary Waters, c'est qu'il y a plein de lacs. Qui dit plein de lacs, eh bien qu'il faut passer de lac en lac. Et me direz-vous, eh bien il y a des canaux. Eh bien non, il n'y a ici aucun canot. Il y a des zones de portage où en fait ce sont tout simplement des moments où il faut sortir le canoë de l'eau et toutes les affaires, les porter sur le dos sur quelques centaines de mètres, voire jusqu'à 2 km. Heureusement, les canoës sont ici plus légers en fait que même des kayaks, même si on travaille actuellement avec un canoë de 4 places, tout simplement parce qu'ils sont réalisés en Kevlar avec juste un tout petit peu d'aluminium pour rigidifier l'ensemble de la carcasse. Autant dire qu'une personne peut presque le porter, ou le porter réellement d'ailleurs, puisqu'il ne fait pas plus que 25 kg. C'est à la fois une réserve naturelle et un parc forestier. On a parlé de camping. Ici, naturellement, il faut respecter la nature et tout ce que l'on apporte avec soi, on doit repartir avec. Résultat, tout le monde joue particulièrement bien le jeu. Il faut dire qu'il y a des amendes salées au cas où vous ne le respecteriez pas. Mais tout simplement, tout est particulièrement propre. Après, l'État a réalisé un certain nombre de camps. Des camps que j'appellerais de fortune, mais qui méritent quand même des étoiles de 1 à 5 en fonction de leur emplacement, de leur facilité de mise à l'eau et de la facilité également avec laquelle on peut planter une tente. Chaque camp a un feu, ou en tout cas une grille avec un feu et des toilettes sèches, naturellement. Les Boundary Waters, malgré tout, et bien ce sont des vacances pas chères en fait, parce qu'on vient en canoë, il n'y a aucun frais. Il n'y a pas de frais de camping non plus, donc on peut vraiment passer une semaine en famille à moindre frais. Il est malgré tout possible pour ceux qui sont un peu moins habitués, parce qu'il n'y a ici aucun panneau, aucun sens de la direction. Et le GPS est plus ou moins aléatoire pour arriver à savoir où l'on est. Il est toujours possible de prendre un guide, ce qui naturellement augmente un tout petit peu les frais. Mais quand on a affaire à Karl, qui vit ici dans la région depuis 27 ans et qui vous fait découvrir les petits passages, les régions de portage que l'on ne voyait même pas du milieu du lac, là vous vous dites que vous participez vraiment à quelque chose d'extraordinaire. En une journée, on n'a rencontré qu'un canoë, ce qui est absolument impressionnant dans la région. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de difficulté en fait à poser notre camp, parce qu'il y a autant, il y a plus de 500 camps, et naturellement quand il y a un camp utilisé par une famille, eh ben, on ne vient pas s'imposer en plus. En général, les camps c'est pour une, deux, voire trois tentes maximum, mais en fait chaque personne prend un camp et s'y installe. Le soir, c'est feu de camp obligatoire, il permet de réchauffer parce que la température, une fois que le soleil est tombé, descend vraiment très 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 rapidement, en dessous les 5 degrés alors que l'on est toujours au mois de septembre. Et ben, on est en pleine nature, donc on va planter la tente
Là, c'est pas la tente en 10 secondes qui se déploie façon une marque célèbre. Mais bah, on revient au basique, hein, aux tentes d'il y a 40 ou 50 ans. Donc, go! Alors, bien dormi? Pas trop mal. C'est très calme, comme on l'a déjà vu hier. Les sacs de couchage étaient impeccables. Là, ce matin, on sent la rosée, mais il fait pas trop froid. Il doit faire une dizaine de degrés. Et puis, le ciel est bleu. Donc, tout va bien. Turned out Turgot, and then found that instead of him they had obtained Robespierre.